Touché, expérience vécue après un éveil spirituel, s'ouvrir à son maître intérieur. Eddie Livre. Chapitre 36. Le singe sur la montagne. En 1994, un soir d'été, je regardais avec mon épouse une émission sur la Birmanie. Au pied d'une montagne, s'étendait une plaine parsemée d'une multitude de temples bouddhiques. Je me sentis étrangement envahie d'une douce torpeur. Je me suis retournée et j'ai décrit avec précision la suite du balayage de la caméra. Quelques mois plus tard, à la suite d'un dialogue par l'écriture automatique avec un de mes guides spirituels, ce dernier me confirma que j'avais été dans une incarnation passée, un moine tibétain qui avait terminé sa vie en Birmanie. Il précisa même que l'on me surnommait le sage sur la montagne. 2 ans après, à l'occasion d'une réunion de ma société, je fis connaissance d'Odile, une nouvelle secrétaire export. Au cours du repas qui suivit, tout en conversant avec mon voisin, mon regard se posa sur cette dernière et, spontanément, je vis autour de sa tête une aura énergétique fabuleuse, blanche, légèrement dorée. En temps normal, il faut, pour que je puisse déclencher cette vision particulière, que je le veuille et que je me mette en condition, mais là, à la fin de cet interminable repas, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit simplement « Votre aura est magnifique ». Elle me répliqua en riant « La vôtre n'est pas mal non plus ». Étant de toute évidence tous les deux branchés, nous avons discuté de nos recherches et expériences spirituelles respectives et, au moment de me quitter, elle me dit de façon malicieuse ceci. « Vous étiez, il y a très longtemps, le sage sur la montagne. » Toute ma pilosité s'est dressée, mon sang est descendu dans mes pieds et je fus obligée de m'asseoir. Je n'ai jamais revu Odile.